Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma commande que j'ai effectuée sur le site My American Market où j'ai pris des produits exclusivement Harry Potter. J'ai tout d'abord pris les fameux Bertie Crochus au prix de 3,49€. Là j'ai la boîte de l'Expo, elles sont identiques. Par contre celle de l'Expo m'a coûté 5€ et celle de My American Market m'a coûté 3,49€. Pour les parfums, il y a Tutti Frutti, Herbe, Pomme Verte, Œuf Pourri, Vomi, Vert de Terre, etc. J'ai ensuite pris les Jelly Slug, qui sont les gommes de limaces, au prix de 3,79€. Dans le film, ils ressemblent plus à des serpents qu'à des limaces, comme vous pouvez le voir. Donc ces bonbons, ils apparaissent notamment quand Harry prend le passage de la sorcière Borgne, à Poudlard, qui mène à la boutique Honeyduck. Pour les parfums, il y a Pastèque, Poire, cerise, banane, et mandarine. Enfin, j'ai pris deux chocogrenouilles au prix de 3,99€. On peut voir que la boîte est bien plus petite que celle des studios. Donc je préfère largement celle des studios. Donc comme au studio, c'est vendu avec une carte collector. Alors pour les personnages, il y a Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Hagrid, Quirrell, Voldemort. Donc on va découvrir quelle carte j'ai eue. Oh, je suis super contente. Donc j'ai eu Dumbledore, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc là on voit que la carte est en relief. Donc voici l'arrière, donc avec Albus Dumbledore. Je vais maintenant vous montrer donc la grenouille à l'intérieur. Donc la voici. Et donc je vais la comparer avec celle des studios. Voilà, donc on peut voir que donc, la grenouille des studios est nettement plus grande. Donc celle-ci il y a du riz dedans et donc la grenouille des studios c'est juste au chocolat au lait. Pour la deuxième carte, j'ai eu Ollivander. Et voici l'arrière. Voici une comparaison de la carte des studios et de la carte du site My American Market. À propos de ce site, je le conseille vraiment, les délais de livraison sont de 48 heures et les frais de livraison sont d'environ 5€. A savoir qu'il faut un minimum de 15€ d'achat et ils m'ont aussi offert ceci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.